Et un conseil que je souhaitais donner, une exhortation pour les sœurs bien-aimées qui ont, dont les maris ne sont pas convertis surtout. Alors si vraiment, il faudrait qu'on donne toujours un bon témoignage et éviter justement de donner la possibilité à l'ennemi d'avoir des arguments pour, comment dire, pour calomnier la parole du Seigneur. Donc, vraiment, ce moment de partage, si jamais vous n'avez pas la permission du mari pour rester, soyons mesurés. À un moment donné, il faut limiter et partir. Moi, je crois que c'est un conseil de sagesse. Après, voilà, vous faites comme le Saint-Esprit vous conduit, mais moi, c'est le conseil de sagesse que je pourrais donner à des femmes mariées dont les maris ne veulent même pas qu'elles puissent se connecter sur Internet. C'est un bon moment, hein, de partage. On doit pouvoir, ceux qui sont spirituels, comprendre le bien fondé, mais ceux qui ne le sont pas, il faut pouvoir profiter des premières heures et puis apporter ce que vous avez à cœur d'apporter et rester justement dans la soumission, dans le but de gagner le mari à Christ. Ça, c'est très important. Donc, essayons d'être raisonnables, enfin, essayez, puisque moi, je ne suis pas concerné, d'être raisonnables sur les heures pour ne pas donner justement au mari de pouvoir calomnier la parole de Dieu. Ça c'est très important parce que si le mari se plaint, voilà, tu passes toute la nuit sur Internet, les enfants ne mangent pas, ça c'est pas bien. Ça c'est un très mauvais témoignage vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc on doit pouvoir être mesuré par rapport à ça, pouvoir assister aux réunions, mais il ne faudrait pas mettre en péril le foyer par rapport à ça et surtout entrer dans une rébellion ouverte contre le mari. Donc, après, si le mari n'est pas contre, s'il est d'accord, bon, voilà, restez autant que le Saint-Esprit vous convainc de le faire. Mais si après, si ça cause des problèmes avec le mari, il faut user de sagesse, parce que c'est avec la sagesse de Dieu qu'on réussit à vaincre les esprits, les esprits qui séduisent justement les maris qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage, quelque chose à apporter, un sujet de prière ou autre chose? Quelqu'un souhaite prendre la parole sur un sujet donné qui peut ne plus être sur le mariage, hein? Donc après, si c'est toujours sur le mariage, vraiment comme l'Esprit de Dieu nous conduit. Amen. Oui, frère Emmanuel, on te suit. Sur en fait le jour du Seigneur. Voilà. Donc je sais pas trop.
concernant cela. Est-ce qu'on doit l'observer ou parce que bon, il y a du commandement, hein, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras point d'image taillée, bon, je vais raccourcir un tout petit peu. Tu ne prendras point le nom de Dieu, tu ne prononceras point le nom de Dieu en vain. Et on a ton père et ta mère, mais avant, il y avait observe, souviens-toi du jour du repos. Donc c'est lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Et il y a eu ces commandements-là qui ont été donnés à Moïse. Et puis Dieu a insisté au fait, sur le fait qu'il devait se souvenir au fait de ces jours-là. Donc je ne sais pas, en fait, en tant que chrétien, quelle serait réellement notre position quant à l'observation de ce commandement-là. Voilà, s'il fallait vraiment outrepasser, voilà. Donc ce point-là, je ne sais pas si vous avez un petit éclaircissement pour la partie. Amen. Amen. Donc, j'ai apporté quelques éléments de réponse par rapport à ça. Donc, on va commencer par lire Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, versets 16 à 17, nous dit Colossiens 2, pardon, versets 16 à 17, autant pour moi. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Dans le jour du repos dont parle le Seigneur dans Exode 20, c'est en préfiguration de quelque chose qui devait arriver. Et cette réalité-là s'est manifestée en Christ. Donc, qu'on ne nous juge pas déjà si on ne respecte pas le Shabbat, c'est ce qui est écrit ici-là. Une question de nouvelle lune, ainsi de suite. Il nous dit que le Shabbat et tous les autres, c'était l'ombre des choses à venir et la réalité est en Christ. Quelle est donc cette réalité-là en ce qui concerne le jour du repos? Allons maintenant dans Hébreux chapitre 4. Ça serait bien de lire tout le chapitre d'Hébreux lorsque tu as du temps pour comprendre davantage, mais prenons déjà le verset 3 et 4. Hébreux, chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car il est dit quelque part à propos du septième jour, le jour du Seigneur dont tu parles là, le jour du repos, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Verset 5. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, verset 6, ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer,
et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entreront pas, c'est à cause de leur incrédulité. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Continuons. En effet, si Josué, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Si Josué leur avait donné du repos, Dieu ne parlerait pas d'un autre jour. C'est-à-dire que le Shabbat que les Israélites observaient préfigurait un jour qui devait venir. Préfigurait un jour. C'est pour ça qu'on leur parle d'un autre jour. Si le repos que Josué leur avait donné, c'est le jour du Seigneur, ce que tu appelais le jour du Seigneur, là, le Shabbat. Mais il est parlé d'un autre jour. Parce que ce jour du Shabbat, là, était la préfiguration. Préfigurait quelque chose qui devait s'accomplir plus tard. Cette chose-là est en Christ. Et il nous explique, allons, en effet, si Josué leur avait donné le repos, si réellement c'était un vrai repos, le Shabbat qu'ils avaient eu là, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre jour. Si c'était vraiment le jour du Seigneur, au sens d'un jour où on met à part pour le Seigneur pour se reposer, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre jour. Ce jour-là a été fixé dans la chair, observé par la chair, parce qu'il préfigurait un autre jour qui, celui-là, est spirituel. Et c'est ce qu'il dit ici, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc, verset 9, il reste donc un repos de sabbat pour qui? Pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le jour où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans le repos de nos œuvres comme Dieu est entré dans le repos des siennes. Nous entrons dans le Shabbat de Dieu. Dès que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans ce jour nouveau-là, qui est un jour de Shabbat, de repos. Et on se repose tous les jours en Christ. Parce qu'il n'y a pas un jour particulier pour le Seigneur. Le lundi, c'est Jésus qui a créé. Le mardi, nous sommes toujours en Christ. Le mercredi, nous sommes toujours dans le Seigneur. Le jeudi, pareillement. Le vendredi, c'est toujours Christ. Le samedi, c'est encore Christ. Le dimanche, c'est encore Christ. Il n'y a pas un jour qui est pour Christ et les autres ne le sont pas. Donc, le Shabbat que Dieu a fixé dans les 10 commandements, c'était pour préparer le cœur de l'homme à ce jour du repos qu'il reçoit lorsqu'il vient au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on nous a parlé dans Colossiens 2 de l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Parce que c'est en acceptant Christ qu'on entre dans le véritable Shabbat. Cet autre jour que Dieu a parlé en dehors de ce que les Israélites observaient déjà que Josué leur avait prescrit. Donc, lorsque nous entrons dans le Seigneur, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans le repos, le Shabbat de Dieu, et ce repos-là, c'est tous les jours avec le Seigneur. Ce n'est pas un jour, un samedi en particulier, ou un dimanche en particulier qui est le jour du Seigneur, c'est tous les jours de la vie. Parce que ici, c'est écrit « aujourd'hui ». Dieu fixe un nouveau jour, verset 7, « aujourd'hui ». Parce que aujourd'hui, ce n'est pas un lundi forcément, ce n'est pas un mardi, c'est tous les jours, c'est ce que ça veut dire là. Aujourd'hui, ça veut dire tous les jours. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du repos, c'est le Shabbat de Dieu, parce que nous sommes dans le repos lorsqu'on a reçu Christ. Le repos
dans lequel nous entrons, lorsqu'on a repris Christ, ne dépend pas si c'est lundi, mardi, on n'est plus dans le repos, mercredi, jeudi, samedi, de nouveau, on est encore dans le salut, dès dimanche, on est parti, déjà on est dans... Non. Ce jour, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours de la semaine. Excusez-moi, frère, on n'a pas la même version, en fait. Oui. Qu'est-ce qui change? Que dit ta version? En fait, la version, à partir du verset 8, car si Josué leur eut donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc, au verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Point. Voilà. C'est la même chose que j'ai lu. Mais ils ne disent pas aujourd'hui. Regarde le verset 7, c'est au verset 7 que je lis aujourd'hui. Ah oui, excusez-moi. Dieu fixe un jour nouveau, c'est le jour nouveau dont il parle là, c'est cet autre jour-là. Oui, aujourd'hui, oui. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le jour du repos du Seigneur, c'est toujours aujourd'hui en fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas un jour particulier, c'est-à-dire que c'est tout le temps. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc, le Shabbat de Dieu, en fait, c'est dès qu'on entre dans le repos. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, on entre dans son repos et on est tous les jours dans le Shabbat de Dieu, pas un jour en particulier. C'est pas une observation en particulier. Si nous disons, nous chrétiens, que nous observons le Shabbat, c'est comme si le jour du Shabbat, samedi ou dimanche, nous sommes en Christ et les autres jours de la semaine, nous sommes hors de Christ. Ça n'aurait pas de sens. C'est ça que ça voudrait dire. Si nous commençons à mettre un jour en particulier pour observer le Shabbat, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ parce que Christ a accompli le Shabbat. Il permet à l'homme d'entrer dans le véritable Shabbat spirituel de Dieu qui est le repos en Christ. Donc on peut compléter cela en prenant par exemple l'épître de Paul aux Galates justement. Les Galates, ils avaient commencé à observer ce genre de jour-là en particulier, et Paul va les reprendre par rapport à ça. Galates chapitre 4, verset 9 à 10. Verset 9 à 11. Galates chapitre 4, verset 9 à 11. Galates chapitre 4, verset 9 à 11. On peut commencer au 8. Il dit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par leur nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, donc on est en Christ maintenant, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles éléments ? Ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez de nouveau vous asservir. Ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous assujettir. Et quels sont ces principes? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris la peine pour vous. Donc, il n'y a pas de jour à observer en particulier. Parce qu'eux, ils mettaient des jours à part. Ça, c'est le jour du Seigneur. L'autre, c'est le jour de ceci, ainsi de suite. Tous les jours, tous les mois, toutes les années, tout ça, c'est l'année de grâce. C'est le aujourd'hui qu'on a lu là. Tous ces jours-là, le jour nouveau que le Seigneur a mis à part, c'est aujourd'hui. C'est tous les jours. Donc, ce n'est pas un jour en particulier. Et là, les Galates, eux, ils avaient commencé à observer des jours en particulier, des années en particulier. Alors que lorsque on dit qu'on a la vie éternelle, comme nous dit 1 Jean 5, verset 13, lorsque nous croyons, nous savons que nous avons la vie éternelle, ça veut dire que nous vivons dans l'éternité déjà. Dans l'éternité, il n'y a pas une échelle de temps, de jours, qui sont meilleurs que d'autres, ou bien à prendre plus en considération que d'autres. Non, l'éternité, tous les jours sont les mêmes. Tous ces jours-là sont des jours pour célébrer Dieu. Donc, en résumé, il faut retenir que le Shabbat que Dieu a prescrit dans
le décalogue, là, les 10 commandements, préfigurait le jour de Christ, le jour où on entre dans le repos de Christ, autant pour moi. Voilà. Et dès cet instant-là, dès qu'on est réconcilié avec Christ, on entre dans ce repos-là, et le jour du Shabbat, c'est aujourd'hui pour nous. Tous les jours, c'est aujourd'hui. Amen. Allô? Oui? Allô? Oui, oui, frère. Est-ce que nous avons l'éternité comme Tabernacle? D'accord? Est-ce que nous avons l'éternité, nous vivons dans l'air de l'éternité avec Christ? Et alors, que dire? Ésaïe 66, 23, lorsque en fait, Christ vient rétablir son royaume sur la terre, ce qui est marqué là, en fait, qu'à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tout peuple viendra. Si on commence à lire un petit peu plus haut, commençons à partir du verset 20. Il est dit, attends, excuse-moi, hein, un instant. Donc, si on commence à lire plus haut, au verset 20, de Ésaïe 66, verset 20, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des mulets et des dromadaires à la montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les fils d'Israël apportent leur offrande. Comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai parmi eux, comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel, et je prendrai parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre, que je fais subsisteront devant moi, oracle de l'Éternel, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra des cadavres d'hommes et des criminels à mon égard, car leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, et ainsi de suite. Cette parole-là s'adresse à qui? Celle que nous venons de lire là. J'ai beaucoup insisté justement pour dire à qui ça s'adresse. Est-ce que parmi les chrétiens, il y a des sacrificateurs et des lévites? Non, actuellement non. Ah, bon. Nous sommes tous sacrificateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des lévites parmi nous? Et il a commencé par parler là, comme à partir du verset, la fin du verset 20,
Comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur dans la maison de l'Éternel, et je prendrai parmi eux, les fils d'Israël, parmi les fils d'Israël, parmi eux, des sacrificateurs et des lévites, dit l'Éternel. En effet, comme de nouveaux cieux, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, ainsi subsistera votre descendance et votre nom, Israélite, de nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Ça, en fait, dans le millénium, il faut savoir qu'il y a trois catégories de personnes qui vont vivre dans le royaume éternel de Dieu. Il y a les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, qui sont ressuscités et qui ont été enlevés vers le Seigneur, qui vont vivre dans ce millénium-là. De la même manière que Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, on a vu comment Jésus pouvait apparaître à un endroit au milieu de ses disciples. Ils sont réunis dans une pièce, comme on voit dans Jean 20, Jésus-Christ apparaît au milieu d'eux. Après, il se retrouve avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs là-bas, et ainsi de suite. De ma compréhension, je crois que dans ce millénium-là, les enfants de Dieu qui sont ressuscités d'entre les morts, qui ont été enlevés, nés de nouveau en Jésus-Christ, ils vont être comme Jésus après sa résurrection. Ensuite, maintenant, on a le peuple d'Israël qui, lui, n'a pas été enlevé. Regardons un peu. Zacharie, chapitre 12, nous parle de la conversion de ce peuple d'Israël, à ce reste d'Israël. Zacharie, chapitre 12 et chapitre 14. Zacharie, chapitre 12, du verset 9 au verset 11. Nous parle de la conversion d'Israël. Ça, il n'y a plus l'Église. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, vers Jésus-Christ. Ça, c'est Israël qui va se convertir. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Donc, et si tu lis également le chapitre 14 de 1 jusqu'au verset 5, on nous parle du retour physique de Jésus sur la terre et de la délivrance d'Israël, et Israël qui voit le Messie apparaître dans les cieux et qui croit finalement au Messie. Donc voilà, Israël qui va se convertir, mais eux, ils n'ont pas participé à l'enlèvement comme l'Église qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et qui a été enlevée. Donc, c'est le deuxième groupe de population. Donc, il y a l'Église, il y a les Israélites, et il y a les nations qui vont rester sur la terre. Il y a des nations qui vont rester sur la terre, qui n'auront pas subi l'intervention de l'homme impie, qui vont rester sur la terre. Il y a des passages qui le montrent aussi. Et justement, ce sont ces trois groupes-là qu'il y aura sur la terre pendant le royaume millénaire. Et pour ma part, le Ésaïe 66 s'adresse aux Israélites, ceux qui viennent d'accepter, qui viennent de reconnaître le Messie là. Pour moi, les nouvelles lunes, les sabbats et tout ça, ça s'adresse parce que c'est eux qui comprennent ce langage là. Nous, les enfants de Dieu, jamais on ne nous parle de nouvelles lunes si c'est pour nous dire que ce sont des rudiments, mais la réalité en Christ. Mais eux, ils comprennent ce langage là parce que ils ont encore la Torah, ils sont encore sous l'observation des lois et des 613 commandements du Seigneur. C'est pour ça que j'insistais sur les versets « Je prendrai au milieu d'eux des sacrificateurs, des lévites, ainsi de suite. » Ça nous ramène à la sacrificature lévitique. Donc pour moi, ça ne s'applique pas aux enfants de Dieu qui seront ressuscités pendant le royaume millénaire, sachant que notre réalité est en Christ et tous les jours nous sommes dans le repos de Dieu.
Pour moi, c'est comme ça que je comprends ce passage-là. Après, quelqu'un d'autre peut nous expliquer sa compréhension des choses, mais moi, je comprends ce passage-là comme ça. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, frère Emmanuel, pour la question. Et moi, j'avoue que j'ai compris le Shabbat un peu, par la grâce de Dieu, un peu plus simplement, comme le passage a insisté. Pour nous faire comprendre que, en fait, c'est une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on accepte Jésus, on n'a plus un jour spécial à réserver pour le Seigneur. Amen. Tous les jours, désormais, sont consacrés au Seigneur. Nous vivons tous les jours, chaque moment, pour le Seigneur. Donc, il n'y a plus un jour spécial. Donc, si tu comprends ça hein, comme ça, c'est tout. Une fois que on est né de nouveau, c'est tout. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. 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 Frère Emmanuel, le frère Alain n'a pas respect de ta question. Tu demandais si les autres commandements de Dieu, est-ce que nous devons... Voilà, tout à fait. Les lois sur les animaux, les animaux impurs, tout ça. Parce que si Dieu, on attend, hein, si Dieu a mis ces animaux-là, en fait, pour qu'on ne puisse pas les manger, pour qu'on puisse les manger, c'est pour nous permettre éventuellement d'avoir de la bonne santé. Être en pleine forme. Donc, après, je me dis, est-ce que, en tant que chrétien, on doit aussi oublier tous ces passages, toutes ces recommandations-là, et puis peut-être tout manger. Donc, voilà, peut-être une question de santé, en fait, hein. C'est sûr, comme ça, je le voyais, en fait. Donc, bon, après, peut-être que je ne voyais pas bien. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Je peux apporter des éléments, hein. Peut-être Jean-Charles va compléter des éléments par rapport précisément aux animaux impurs, par exemple. De ma compréhension de la parole de Dieu, le Seigneur avait déclaré certains animaux impurs qu'il ne fallait pas manger. Non pas parce qu'ils étaient impurs en soi, parce que, regardons un peu dans Genèse, quand Dieu a créé les animaux, je crois que c'est dans Genèse chapitre 2, d'Abadéa dans Genèse chapitre 1. Si je prends des exemples, hein, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 20, Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent. Et donc, les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux de mer, et les oiseaux, et que les oiseaux se multiplient sur la terre.
Il eut un soir, il eut un matin. Verset 24. Dieu produisit. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptile, animaux, terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles selon son espèce, tous les reptiles du sol selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. La question que je vais nous poser, Dieu peut-il créer quelque chose, il vit que cela était bon et après il dit que c'est impur? Voilà. Donc, tout ce que Dieu a créé est pur. Tous ces animaux-là, ils sont purs de base. Donc, l'homme a péché. Quand l'homme a péché, le sol a été maudit à cause de l'homme. Les animaux ont été tirés du sol aussi. Donc, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 7. Où il est dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc le sol a été maudit, donc même les animaux qui ont été tirés du sol ont reçu cette malédiction-là. Donc, d'où justement la conséquence de l'impureté qui peut être déclarée par Dieu lui-même sur certains animaux. D'accord? C'est lié au péché. C'est quand le péché est arrivé, la terre étant maudite, que les animaux vont subir aussi la malédiction qui descend du péché. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu déclare certains animaux impurs et d'autres qui sont purs. Mais il y a une explication spirituelle derrière. En fait, ce qu'il y a, et c'est dans Actes chapitre 10 qu'on va comprendre ça. Je vais d'abord nous lire Actes chapitre 10 et après on va comprendre pourquoi Dieu avait déclaré des animaux impurs, qu'est-ce que ça préfigurait. Actes chapitre 10, il y a une vision que Pierre va avoir. Actes chapitre 10, Frère Danilo, s'il te plaît, ton micro est ouvert. Donc, si nous prenons Actes chapitre 10, à partir du verset 9, Actes chapitre 10, à partir du verset 9, le lendemain, comme il était en route, dans les hommes que Corneille avait envoyés pour chercher Pierre, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase, donc il a eu une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Donc, il y avait tous les animaux qui étaient là. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » C'était par rapport aux ordonnances. Et pour la seconde fois, verset 15, la voix se fit entendre à lui ce que. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt, après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que quatre hommes
qui avait été envoyé par Corneille et s'était informé de la maison de Simon, se présentaient à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si cela était là, si c'était là le logement de Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit dit, voici trois hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Donc, je nous épargne toute la suite de la lecture. Regardons maintenant quand Pierre va arriver chez Corneille, ce qu'il va dire. Alors, nous pouvons lire à partir du verset 34. Pierre est maintenant chez Corneille. Il va parler. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu a envoyé... Attends. Je sais qu'il y a dans ce verset-là... Dans ce passage-là, où Pierre va leur dire en fait qu'il n'a même pas le droit d'entrer chez un païen. Je sais que c'est dans l'un des versets ici, là, je ne retrouve plus trop lequel. 28. Merci. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Voilà le verset clé. Amen. La vision que Dieu a donnée à Pierre au travers des animaux, c'était pour lui montrer qu'il ne faut déclarer aucun homme impur. Et je relis encore le 28 là. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Donc, les animaux impurs que Dieu a montré à Pierre dans la nappe, les animaux impurs que Dieu a déclarés impurs dans l'Ancien Testament étaient le symbole des païens, en fait. De ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et en Christ maintenant, animaux purs, symbole de juifs, animaux impurs, symbole de païens, sont réconciliés en un seul, en Christ. Voilà pourquoi Dieu lui dit qu'il ne faut pas déclarer un homme pur ou impur. Parce que, comme la Bible nous dit de Dieu, il n'en a fait qu'un seul, grec et juif. Donc les animaux impurs, c'était pour préfigurer les païens. Et les animaux purs représentaient les juifs. Mais à la fin, Dieu a réconcilié les deux en Christ. Voilà pourquoi on dit, en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, quand nous sommes dans le Seigneur, il n'y a plus, en Jésus-Christ, il n'y a plus d'animaux souillés et d'animaux non souillés. Ça n'existe plus en Christ, parce qu'il n'y a plus ni juif ni grec en Christ. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, 25 va nous dire, si vous allez au marché, mangez de tout ce qu'on vend là-bas, sans vous poser des questions par motif de conscience, que ce soit la viande halal ou pas halal, ou tout ça, on prie dessus, et la prière au nom de Jésus-Christ efface toute incantation qu'on peut avoir fait sur cette viande-là, et on mange avec appétit, et cela ne nous fera rien. Ça nous prouve justement que la puissance du nom de Jésus est au-dessus de toute autre idole qu'on peut nommer sur ce monde-ci. Les musulmans peuvent prier sur leur viande, ils sacrifient aux idoles, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on prend cette viande-là, on dit au nom de Jésus, tout est annulé et on mange cette viande-là, rien ne nous arrive. Oui, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25.
c'est écrit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser aucune question par motif de conscience. Nous allons compléter cela avec 1 Timothée chapitre 4. Ce que je viens de dire à l'instant là, que nous prions dessus et immédiatement cette viande là sur laquelle on avait fait des incantations devient immédiatement pure. Et ça montre que Jésus est au-dessus de toutes les idoles qui existent dans le monde. C'est dit ici là dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, il est dit, on parle des gens qui enseignent des fausses doctrines, il est dit, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Pour ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité, comme nous, enfants de Dieu, nous sommes censés être fidèles et nous connaissons la vérité. C'est-à-dire que toutes les idoles qui sont dans le monde entier sont inférieures à notre Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire que le nom de Jésus annule toute incantation qu'on peut avoir fait sur une viande. Quel que soit le nom de l'idole qu'on a appelé sur cette viande-là, la puissance du nom de Jésus annule ça. Continuons la lecture. Donc, il dit ici qu'il soit pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand Dieu crée dans Genèse 1 là-bas, quand il finit de créer et Dieu vit que cela était bon. Même les animaux, tout ce qu'il a créé, il a vu que c'était bon. Les végétaux qu'il a créés, il a mis à la disposition de l'homme, il a vu que tout cela était bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter. Donc, il n'y a aucune viande. Quand les chrétiens disent, non, on ne mange pas de porc, c'est écrit ici, rien n'est à rejeter. C'était l'ombre des choses à venir. Le nom de Jésus a rétabli les animaux, la terre qui a été souillée par Adam. Les animaux étant tirés de la terre. Les animaux ont subi cette souillure-là, mais le nom de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix, est venu rétablir également ces choses-là lorsqu'on prie dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est écrit ici, là, verset 4. 1 Timothée 4, verset 4. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'il soit pris avec des actions de grâce. Car tout, on n'a pas dit certains, tout, sans exception, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quel que soit ce que j'ai dans mon assiette là, je prie que la viande soit halal ou pas, je prie dessus immédiatement la puissance du nom de Jésus que j'invoque sur mon assiette qui est là devant moi, mon assiette sera immédiatement le contenu sanctifié. Sanctifié, ça veut dire quoi? Sanctifié, ça veut dire mis à part pour Dieu. Donc mon repas sera désormais mis à part pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque Adam et Ève ont péché, les végétaux, la terre a été souillée, dont les végétaux, les animaux, tout a été souillé par ce péché-là. Lorsque nous prions sur notre repas, le contenu de notre repas est ramené à l'état où il, dans lequel il était avant le péché d'Adam et Ève. C'est-à-dire avant que la souillure n'entre sur les végétaux et sur les animaux, dont ils redeviennent purs. Totalement. Quel que soit ce qu'on a fait dessus, comme incantation, comme ainsi de suite, cela redevient pur. Et cela nous témoigne encore de la puissance du nom de Jésus et de la grandeur de l'héritage qui découle de l'œuvre de la croix. Ça, ce sont des aspects que Jésus a accomplis à la croix que parfois on ne mentionne même pas. On regarde juste le salut, mais ça, c'est l'œuvre de la croix qui permet de ramener toutes choses, animaux, végétaux, à l'état antérieur qu'ils avaient avant le péché d'Adam et Ève. Donc voilà pourquoi on peut s'asseoir devant n'importe quel repas en tant qu'enfant de Dieu, on prie dessus et on le mange sans que rien ne nous arrive, sans que rien ne soit souillé en nous. Amen. Amen.
merci pour le béni encore. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai une question pour toi qui pourrait citer notre appartement en fait. Oui. Parce que on veut suivre, on veut respecter la parole de Dieu, respecter ses ordonnances et ses lois. Amen, amen, et, amen. Comme la Bible dit, on peut guérir par manque de connaissances. Amen. Et donc, quand la connaissance n'est pas encore arrivée dans notre intelligence, eh bien, voilà, il y a des blocages, et puis ça crée une crainte délirée. D'aller à l'encontre en fait, des prescriptions de l'Écriture. Donc, on ne mangera pas de viande sacrifiée, comme c'est dit, sacrifiée aux idoles. Donc, quand tu vois tout ça, bon, ben, ça s'applique même à la vie quotidienne. Il y a beaucoup de choses. Donc, en tout cas, c'est bien, c'est important d'apporter un éclaircissement quand même à la lumière des Écritures. Amen, amen. Des ordonnances-là. Donc, voilà. Soyez abondamment bénis et puis merci beaucoup pour le temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à faire le parallèle entre l'ombre et la réalité, comme nous dit Colossiens 2:16, chaque chose qu'on voit dans l'ancienne alliance, en fait, c'était l'ombre d'une réalité qui est en Christ. Il faut comprendre, en fait, comment on est passé de l'ombre à la réalité. C'est souvent ça qui est délicat. C'est pour ça que quand on ne comprend pas, on peut se mettre à suivre les ordonnances de manière littérale, en fait. Donc, non, mais sans les sacrifices. Parce que on se dit quand même que Christ a déjà fait les sacrifices. Donc, sans les sacrifices. Mais si vous remarquez même, Jésus-Christ, il a même obsédé le sabbat hein, aussi, hein, Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour accomplir la loi. Donc, il ne pouvait pas violer le sabbat. Il fallait qu'il respecte les 613 commandements de la loi jusqu'au bout. Voilà. Et en tant que chrétien, on marche dans les pas de Christ. Donc, on dissipe les sacrificateurs. Oui. Donc, on peut aussi comprendre qu'en tant que chrétien aussi, on doit aussi observer aussi le sabbat, mais sans considérer les sacrifices. C'est-à-dire, sans considérer. Voilà. Vous voyez, c'est ça, en fait, qui créait un petit doute. Mais par la grâce de Dieu, j'ai bien compris, il y a beaucoup de choses que j'ai compris, même si je n'ai pas le temps de tout expliquer là, de tout, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre. Amen. Donc ça, c'est du bien. Donc vraiment encore, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Une petite explication, mais c'est lourd pour la suite de la compréhension. Donc, c'est très important. C'est très important pour nous, tu sais. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des sujets de prière ou des témoignages, des interventions, des édifications. Sentons-nous libres hein, de prendre la parole, que ça ne soit pas juste les mêmes qui parlent. Ou si quelqu'un veut apporter un cantique, hein, il peut prendre la parole pour rendre gloire au Seigneur. Un petit témoignage. Amen.